matérielle est sans importance si elle permet un retour à la paix. Non, ne t'en fais pas, tout ira bien. Nous allons retourner au sommet. Créateur Megara, quelle est votre situation? Créateur Megara. Plus le temps passait, plus les créateurs opposés à la loi martiale sur Ramnok étaient minoritaires. De soleil qu'il y a au fond là-bas. J'avoue que j'ai aucune idée par où je dois aller. Ah bah. Lecture des données. Ce sont des données datant de la fin des combats sur Ranok. L'Austral est touché. N'attaquez pas les guettes. Je répète, n'attaquez pas les guettes. Les guettes abandonnent la poursuite près de Ranok. Capitaine, tous vers le relais cosmodésique. Cette vidéo est ancienne, non? Elle date de 290 ans. C'est l'exode des créateurs vers la fin de la guerre de l'éveil. Nous avions gagné notre liberté. Les créateurs ne constituaient plus une menace. Attendez, les guettes ont épargné les derniers cariens? Notre espèce venait de naître. Nous ignorions les conséquences de la destruction d'une espèce, de nos créateurs. Nous avons préféré l'isolement à l'incertitude. Données supplémentaires récupérées. Légion? Mais c'est le moment où je vous ai activé sur le Normandie. Oui. Vous vous souvenez de notre rencontre? C'est un moment important. Depuis la fin de la guerre de l'éveil, aucun autre organique n'avait coopéré ouvertement avec les guerres. J'avais... Nous espérons que d'autres suivront votre exemple. Ce ne sera pas facile. Non, mais la possibilité existe. Une fois les moissonneurs éliminés, guettes et créateurs seront réunifiés. Est-ce que vous croyez que ça pourrait être encore possible? L'espoir permet aux organiques de surmonter toutes les difficultés. Nous admirons ce concept. Connexion avec le dernier terminal est établie. Nous sommes prêts à vous contacter. Eh ben go. Level up. Accès à la racine obtenu. Suppression de toutes les connexions à ce terminal de communication. Aucun guet ne réside sur ce serveur. Nous pouvons à présent sortir du consensus. Un problème ? Dirigez-vous vers la sortie et déconnectez-vous du serveur. Fin de l'accès à distance. Programmes effacés. Archives supprimées.
Shepard, tout va bien ? Ça a marché. Les chasseurs Geth ont été neutralisés. Les chasseurs hostiles restants ont pris la fuite. Ouais, bah, une mission rondement menée. Oh, merde. T'en es certaine. Qu'est-ce qui se passe ? Nous avons transféré les programmes Geth du serveur. Copains ! Plein de copains. Quoi ? Ils souhaitent se joindre à nous. C'est pratique. Pendant que l'administrateur Shepard éliminait l'infection des moissonneurs, nous avons persuadé les programmes Geth de se joindre à nous. Ils ont renoncé au culte des anciennes machines et sont prêts à se battre contre les moissonneurs. Ils sont désormais. C'est des Geth Prime carrément. Pourquoi ne pas me l'avoir dit ? Nous, on tape direct dans la chaîne de commandement. Nous ne savions pas comment réagiraient vos alliés. Les créateurs ont mis leur propre espèce en danger. Mais ils ont également bouleversé le sort de la nôtre. Les Cariens n'ont agi que dans leur propre intérêt. S'ils avaient su que nous voulions aider les Geth, ils n'auraient jamais accepté cette opération. Je comprends. J'aurais fait la même chose à votre place. Vous comprenez ? Vraiment ? Les vaisseaux agricoles sont hors de danger et nous avons de nouveaux alliés. Tout le monde est content, non ? Parfait. Les unités Prime seront prêtes dès que nous aurons localisé et désactivé le signal des moissonneurs. Faites-moi penser à prévenir l'amiral Hackett, sinon il va avoir une surprise. Bon, oh là, retournons au Normandie. On a carrément piqué des commandants. Carrément les commandants de terrain. Ah bah, comme ça. Succès déverrouillé, saboteur. Neutraliser un groupe d'escadrons de chasseurs. Yeah. 29 sur 52, purée. Peine plus de la moitié. Oh là là là, j'ai un signal tout à fait chaotique. Ah. Beau travail, commandant. Les escadrons Geth qui attaquaient nos vaisseaux agricoles sont neutralisés. Si l'occasion d'infiltrer leur serveur se présente à nouveau, je serai ravi d'apporter mon concours. Adressez-vous à Légion pour trouver d'autres serveurs. Évidemment. Mais votre quête prétend n'avoir aucune donnée quand je l'interroge. Peut-être pouvez-vous m'aider autrement ? Comment ? Pourquoi les Geth Prime vous ont-ils aidé ? C'était spontané. Je vois. Bien, si jamais vous voulez examiner ces Geth pour vous assurer de leur loyauté, n'hésitez pas à me faire signe. Vous êtes terminé. Moi. Concentrateur des eaux optimisées. Peloton de Geth Prime. Enfin, Légion. Administrateur Shepard, nous avons rétabli la connexion avec les Geth libérés du serveur. Quel est leur statut ? Nous avons chargé leur programme dans le réseau de cette plateforme sans grande difficulté. Vos actions ont changé leur vision des organiques.
Ils sont aussi reconnaissants. Sur le cuirassé, vous avez parlé d'hérétique Get. Que leur est-il arrivé après la destruction du satellite? Reprogrammer les hérétiques a fini par donner plus d'alliés aux anciennes machines. Résultat, plus de plateformes Get hostiles. Eh merde. Alors pour vous, c'était une erreur. C'est un gros désavantage stratégique. C'est une conséquence imprévue, mais nous ne pouvons pas revenir sur une décision déjà prise. Regrettez-vous d'avoir reprogrammé les hérétiques? Les cariens ont commencé. Si nous coupons le signal des moissonneurs, peut-être qu'on évitera deux génocides mutuels. Notion intéressante. Beaucoup d'organiques ne manifestent pas de tels idéaux pacifistes. Non, d'un chien, c'est pas possible d'être aussi quiche que les cariens. Oh là là. Les guettes ont déjà combattu les cariens. Pourquoi est-ce différent? Les guettes bâtissaient une mégastructure pour héberger tous les guettes et leur mémoire, pour remédier à notre isolement. Et la flotte carienne l'a attaqué? Oui. Un nombre sensible de programmes était hébergé quand les créateurs l'ont bombardé. Nous n'avions pas assez de matériel de secours pour tous les sauver. Certains programmes ont été perdus. Le merde, tu m'étonnes, petits argents et moissonneurs. C'est pas possible d'être aussi con. Les guettes ont été assez désespérés pour se soumettre aux moissonneurs. Eh ben. Oui. Imaginez que votre propre intelligence diminue à chaque fois qu'un des vôtres périsse. Eh ben merde. L'attaque des créateurs a réduit les perspectives des guettes. Notre préservation a pris le dessus. C'est ce qu'on appelle l'instinct de survie. Peur d'être anéanti. Nous ne ressentons pas la peur comme vous, mais nous n'avons nul désir de disparaître. Même au prix de votre libre arbitre. C'est un marché qui paraissait acceptable. Qu'avez-vous fait après avoir quitté le monde entier? Notre plateforme physique est retournée au consensus Get au-delà du voile de percé. Les données collectées en mission indiquaient un retour imminent des anciennes machines. Nous avons préparé la guerre. Donc vos preuves ont convaincu les Get du retour des moissonneurs? Bien sûr. Ah, ça a dû être bien. On se parlera plus tard. Nous resterons ici. Commandant, vous devriez peut-être passer voir le commandant Williams à la baie d'observation. Ok. Les Prime alliés nous passent toutes les données de combat adverses qu'ils décodent. Me voilà en train de donner l'accès à notre système à des guettes. Commandant ? Ouais, c'est marrant les choses, hein. Comment elles évoluent. Oh, pas cool. H. Qu'est-ce qu'on a là? Je suis en congé, chef. Votre voix, pas si fort. Ah bah, elle s'est pris la cuite de sa vie. S'il vous plaît, merci. Qu'est-ce que vous faites recroquevillé par terre? Ah oui. Oh, ma tête. Trop lourde. Complètement bourré. Ah, votre soirée se passe bien? Je retourne à mon...